Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario et Luigi dans la mer où j'arrive pas à passer le tuyau. Et oh. Il faut que t'appuies un R. Et tu lâches le bouton? Oui, parce que je pensais qu'il fallait spammer A. Ah ok. Parfait. Entre temps à la frontière de Végésia. Oh, le pauvre bleu subit des dommages intenses. Ah, malheureusement pour lui, il fait une terrible rencontre de Krakowitz. Celui-ci vous convient-il? N'importe qui fera l'affaire, vite, vite! Oh non, le pauvre Bowser devient rouge! Et c'est ainsi que naquit le Bowser rouge de Super Smash Bros. Melee! Wow! Il a changé de bande, Bowser. Wow, oh, t'as vu la bobombe là? Oh, t'as vu la bobombe là? Ça fait peur. Ça te donne envie, hein? Oh, elles sont calmées, c'est bon. Vite une bobombe! Ah, mes petits amis. Je vous ai longtemps cherché, vous deux. Je craignais que vous soyez en difficulté. Mais on a eu des problèmes. On est parti sur l'île de Kuzu. Et on a volé avec eux et un peu ensuite elle a éclaté en 1000 morceaux. C'est vrai, la végétoile s'est divisée en 4 morceaux qui sont éparpillés ça et là. Comment vous le savez d'ailleurs, Mario et Luigi? Bah on était dessus, tu sais. Bah non, justement, vous étiez tombés depuis fort longtemps. Ils ont regardé en tombant ce qui se passait. Vous cherchez des morceaux de la végétoile avec moi? Je vous remercie, mais je préférais que vous alliez à l'aéroport de Végésia. Mais pourquoi? Et voyez-vous, la princesse Peach va honorer notre pays de sa présence. Quoi? Ah, waouh. Oh, ok, je vous dis waouh. La venue d'une princesse du rang de la princesse Peach? Oui, la venue de la princesse. D'une princesse du rang de la princesse Peach est un événement important pour ce pays. Et c'est pour cela que je veux que vous alliez l'accueillir et lui servir d'escorte. C'est d'accord, rendez-vous donc à l'aéroport de Végésia. En fait, l'aéroport de Végésia se trouve au sud du château de Végésia. Je dois m'y rendre immédiatement, alors à tout à l'heure. Mouhaha, il a pas brillé cette fois. Pour une fois. Il a enfin épargné un peu nos pauvres petits yeux. Oh, là, il y a un truc. Tu veux vraiment aller faire des trucs? Mais oui, on s'en fiche de la princesse. Tu parles de ça? Mais oui. On peut le brûler? Mais non. Regarde là, là. Ah bah non, en fait. Pardon. Oh. Oh là là, gros problème de synchronisation aujourd'hui. Non. Mais non, mais non, mais non. Ok, je sais pas quel était le meilleur moyen d'aller affronter ce truc, mais c'est pas grave. On va dire que c'est bon, ok? Bon, déjà, je vais détruire ça, même s'il va en réinvoquer, c'est pas grave. Non! Ouf. Bon, bah, je savais bien qu'ils allaient en réinvoquer, mais je voulais être sûr. Ah, ce n'est pas un Lakitu, c'est un gourou poids. Oh, bien joué, Luigi. Ah, bien joué, Mario. Ah, pourtant, je l'ai bien touché. Ah, bien joué, Luigi. Ah, bien joué, Mario. Ah, c'est pas très gentil de dire bien joué à quelqu'un qui vient de perdre une vie. Mais j'ai bien joué quand même. Voilà, on a encore gagné un poids. Bon, cette fois, on va y arriver. Mais oui, regarde, hop. Lentement mais sûrement, Luigi fait son vie. Fire, yeah. C'est bien comme attaque, je suppose. Waouh. Oh. Regarde, il y a des trucs. Ah mince, mais non, mais tu veux mais pas. Attends, là, je suis pas du tout au sud en fait. Je suis trompée et je me trompe encore. Mais c'est au sud du château donc. Ouh. Bah, je remonte dans la ville et je descends mais par non, le on sud. Mais non, on peut pas aller au sud du château donc du coup, c'est peut-être bien par là. Ou alors c'est de. Non, je sais plus. Mais non, moi je te dis que je vais dans la ville et après je m'en vais au sud. Tu comprends? Non, je comprends pas. Oh là là, tu comprends jamais rien. Je suis bête! Ah, cocu, peut-être. Ah non, j'allais dire, peut-être qu'on peut descendre. Regarde là, hop. Ah. C'était ça le sud de la ville. Bon, alors on va aller au sud par là. Oh, encore un truc. Décidément, il y en a plein de poids soda. Si ça se trouve, c'est bien à passer par là. Ah oui, bon, c'est bon, tout va bien dans le meilleur du monde. Nous allons enfin nous diriger vers le bon endroit. Attends, non, redescend. Redescends, mon frère. J'ai vu quelque chose. Ah, pardon. Je croyais que c'était cette branche que tu trouvais suspecte. Non, t'inquiète, tout va bien.
Aéroport international de Vegesia. Ah, je vois. Oui, non, mais voilà, moi, je sais plus le faire. Allez, dépêche-toi, voilà. Luigi. T'as vu? J'ai hâte de voir la princesse, peut-être qu'elle va me faire un cake aux champignons. Bon, bah, tant pis, je parlerai pas, alors. Pardon, pardon. Non, non. Ah ben, c'est pas oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marie Luigi? Bah, j'ai oublié depuis. Ah, mais tu sais, hein, moi ah, les... c'est bon, je me souviens. Ouais, il est cake aux champignons. Le prince Harry, il est gentil, il nous dit d'aller à l'aéroport, tout ça. Si on avait pas de foudre, on aurait fait comment, hein? Nous, on vole pas sur des coussins. Pour la peine, je vais sauvegarder. Ah, regarde ce magnifique aéroport et ce magnifique sourire, symbole de Vegesia. Est-ce que la princesse est arrivée? La compagnie Air Vegesia est encore en grève, tous les vols sont annulés. Oh, oh, je vois, je vois. Mario, Luigi, Mamie Rico vous demande. Allez à la piste d'atterrissage, s'il vous plaît. Mais justement, on y va, c'est par là au moins. Mais oui, c'est au sud de l'aéroport. Oh, Mario, Luigi. Reine Vegesia est très contente de ce que vous avez fait à Harademi. On a tout détruit. Elle est très contente. Elle aimait pas l'école. Elle en avait marre de ces scientifiques qui sont des bons à rien. Elle préfère les gens musclés comme vous, vous voyez. Un piranha, on plie racine sur cette piste, si on fait rien, l'atterrissage sera impossible. Mais c'est cool les plans de piranha, tout le monde aime les plans de piranha. Mais c'est l'état de la piste est vraiment inacceptable. Mais comprenez que nous étions trop occupés avec Greg et Mona. Oh, Luigi, il a sorti une tasse de thé de nulle part. C'est pas du café? Ben non, Luigi, il boit du thé. Bah. Comme dirait Régal, personne ne boit cette infamie boueuse qui est le café. C'est vrai. Mais je voulais pas, je voulais la brûler avant pour voir si ça faisait quelque chose, je suis triste. Bon après c'est une plante qui fait du feu, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bah, tu peux toujours essayer. Ah ça la soigne. Mais est-ce que moi du coup, ma main de dieu... Ah la main de dieu explose la plante piranha. Bon bah alors moi il faut pas que je soigne les plantes piranha. Regarde là-haut, on dirait qu'il y a un trou. Oui oui, il y a un trou. Et voilà. Ah bon. Bah tu veux y aller tout de suite. Ah bah oui hein, c'est le miracle du jeunesse. Oh pardon. J'ai raté. C'est le miracle du jeu de la NES. Mais attends, je comprends pas du coup, je dois les retuer? Mais non, il y a un autre truc à faire je crois. Oh regarde. Oh. C'est beau hein, c'est un œuf rose. C'est un œuf de Yoshi. Mais il doit y avoir un truc à faire, je crois que c'est avec de l'eau ou un truc comme ça. Oh. Ah là voilà l'eau. Du coup je crois que je dois faire un truc du style, je dois shooter dans la plante en faisant un B. Là? Mais non, pas elle, la plante piranha. Ah tu veux dire comme oui, Flora voilà. Piranha. Et du coup là je sais pas ce qu'on doit faire. On peut pas l'attaquer? On essaie de lui donner un coup de marteau. C'est de la brûler. Bah, ah non, bah non, je crois qu'il faut le Luigi et faire l'électricité dessus. Bah oui, l'eau est conductrice d'électricité. Mais là, je suis en train de la toucher, on est d'accord. Oui, mais tu l'as pas lâchée encore. Ah! Ah, et voilà, tu as planté une plante piranha, c'est beau. Oh, t'as carrément détruit. Bon, j'ai vu qu'il y avait encore... là. Mais du coup, voilà, il va falloir faire ça sur toutes tes plantes piranha. J'espère que ça te passionne. D'abord, on devrait aller chercher tous les poids de la piste. Ah bah ça va, ils en ont mis un autre ici. Tu veux ça? Ouais, on va essayer. Ce serait bien que j'appuie pas sur tous les boutons. Alors, t'es prêt? Go! Allez! T'as vu cette musique joyeuse pendant qu'on récupère de l'argent? C'est un peu comme si on était à la plage et on joue au volleyball. Mais avec des blocs volants. Sur une piste d'aéroport. C'est un peu dangereux théoriquement de faire ça, hein. Mario et Luigi, l'avion, il arrive bientôt, et tout ce que vous pouvez en faire, c'est jouer. Bah oui. Ah bah non, tu vois, il y a un vieux, qu'est-ce qu'il fait là, le vieux? Pour moi qui suis botaniste, les plantes piranha représentent un sujet d'étude passionnant. Mes pétales de ces plantes absorbent l'humidité très facilement. De plus, les jours d'orage, elles se cachent dans le sol pour éviter d'être frappées par la foudre. Oh, c'est beau. Allez. Et qu'est-ce que fait ce vieux papy ici? Il étudie les plantes piranha. Il est botaniste. Un botaniste, ça vient pas sur une piste d'aéroport. Mais si, il a entendu parler que des plantes piranha étaient arrivées et zut. Bah, bien.
Il y en avait une là-bas, je crois. Oui. Bah si. Je crois qu'on n'est pas obligé de faire le truc de... Quoique, bah ouais, en fait. Il y en avait deux, donc on aurait pu aller à l'autre, en fait. C'est ah, pas mais très oui. malin. Incroyable, tu as encore cassé une plante piranha. Là, en revanche, bah... Je sais pas si ça marche de directement faire le gros haut dessus, la grosse haut dessus. C'est ce que je te demandais d'essayer, en fait. Ok, d'accord, désolé. Je ne l'avais pas compris comme ça. Mais maintenant, c'est un peu idiot de le faire. C'était pas assez français pour moi. Enfin non, on va d'abord jeter avec le marteau une boule d'eau sur le... la première. Et... ah, trop bien, il y a un truc. C'est pas drôle, tu sais. Wow. Oui, ça marche. Je sais pas à quel point il faut charger le... Bah il faut le charger au maximum. Ouh. Pas de problème. Ouais, est-ce que ça va pas marcher? Oui, enfin oui. Ah, parfait. La princesse Peach va enfin pouvoir atterrir. En plus, tu vois, il y a même un oreiller. Oh. Elle a pas apprécié, je pense. Allez, on va essayer de récupérer le cadeau. Ah bah non, c'était bon, oui. T'avais bien choisi le bon truc. T'es prêt à attaquer ce monstre? Ouais. J'ai été chargé. Que... Oh! Attention, il crache des boules de feu! Ah, ok. Je sais pas, moi je peux faire rien du tout à part. Je peux me demander si je peux attaquer directement. Oui, tu peux attaquer maman piranha. Mince, pardon! Aïe 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 aïe! Aïe 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 aïe! Oh 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 oh! Oh moi, non! Oh, j'ai perdu de la vie aussi. Oh, et ça lui a rendu 9 HP. Bon. Non. Luigi, donne un champignon à ton frère. Et survie. Et survie. Bonne chance, Luigi. Merci. Je sais que ton frère, il t'a jeté sur la plante piranha sans... Oui, non, mais ok. Moi, je pensais qu'elle attaquait toi, pas moi. Pourquoi elle m'attaquait moi? Comment tu veux que je sache que c'était moi, en fait? Attends, t'inquiète pas, je vais te donner un... Un champignon. Ah oui, du coup, on n'a pas de sirop. Enfin, on n'a pas de sirop, on n'a pas de PF. Bon appétit! Yeah! Oh purée, ça va super vite. Bon. Je vais me débarrasser des petites bébés, quand même. T'es sûr qu'elle va pas en faire réapparaître? Mais si, elle va en faire réapparaître, mais... Voilà, le temps qu'on soigne tout ça, là... Est-ce que je peux manger des noisettes? Oui, tu peux manger une noisette. Mais en fait, on a qu'une super noisette. Mais c'est pas grave, mange une noisette, c'est bon, les noisettes. C'est une noisette des ténèbres, maintenant, on est trop dark. Oh non. On tire sur moi. Ah, purée. Bon, je pense qu'une, c'est pas grave. On va attaquer la grosse! Ok, j'ai appuyé beaucoup trop tôt. Oh, ok, ça lui plaît pas. Ah, c'est pour ça qu'elle nous a... C'est moi ou elle vise un peu à côté? Un petit peu. Bon. Je sais définitivement plus faire ça. Oh, oh. Et elle doit craindre le feu alors. Je suppose. Ah oui, crash de l'électricité. Bon. Cette fois, je vais réapprendre à maîtriser l'hélico. Non. Bah oui, mais faut pas appuyer si tôt. Mais Oh non, pas lui. En plus, si tu rates, je meurs. Allez, boum, dans ta tête. Qui le meilleur, c'est Luigi. C'est qui le meilleur, c'est Luigi qui boit des sirops. Allez, Luigi, bois le sirop. C'est bon le sirop, surtout comme ça, tu vois. Ils sont trop forts quand même. What? Je pense que je vais devoir manger un champignon, malheureusement. Tu en as plus que 8 champignons? Oui, j'ai mangé beaucoup trop de champignons. Oh. Oh. Oh, oh maintenant elle craint l'électricité. Elle a récupéré 20 HP. C'est... Non, elle craint pas l'électricité, elle craint le feu. Oui, elle résiste à ce que je voulais dire.
Pourquoi j'appuie tout le temps tôt? Aïe. Ouais, bon, ok. Moi, je voulais rebondir sur le truc, en fait. Et hop. Oh. Ah bon, direct, genre, ouais, non, mais moi, hein, dans la vie sur Terre, directement, la plante piranha, pas de problème. Je suppose qu'on va éviter de la détruire, si c'est pour en faire apparaître d'un seul coup plein. Ah, c'est mieux, quand même. Oui, enfin, faut sauter après. Ok. Ok. Ah purée, là, on est mal. Il faut vraiment pas le rater. Bon, bah, j'ai raté. J'ai appuyé trop tôt. Ah, elle a quand même gagné 10 HP. Non. Et hop, elle est devenue bleue, magnifique. Elle a gagné 20 HP. Oh. Elle gagne plus de HP en étant bleue? Non, elle gagne plus de HP en ayant deux machins. Ah, j'ai compris. Oh. Ah, Luigi! Fais attention, parce que si elle fait la grosse boule... Tu es mort. Et moi aussi. Mais non! Ah, mais du coup, elle en gagne que 10, parce qu'ils sont pas de la même couleur. Je vais me soigner quand même, vaut mieux. C'est mieux. Je pense que oui. Ah, mais c'est bon. On pourrait sauter sur la boule électrique. Je maîtrisais l'électricité, c'est bon. Allez, Luigi, surtout saute pas. Hein. Ah! Mais je suis Mario de feu! Mais non, je... Bon, je crois que là, c'est vraiment un fail. Parce que là, oh je... non! Mais vous êtes pas sérieux! Je les ai toutes prises! À chaque fois que j'utilise un champignon one-up, j'ai peur de l'utiliser sur moi, mais normalement, c'est pas possible. Non, tu peux pas l'utiliser sur toi, c'est Bon, alors on va faire un petit hélicoptère sur la demoiselle. Oui, parce que j'assume que c'est une fille. Bah oui, c'est une plante, piranha. Mais c'est pas vrai. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ah. Mais on a plus de cacahuètes, je suppose. Ouais, non. Qui je soigne? Soigne-toi, toi. Bon, bah, je me soigne moi. Ah, elle est devenue rouge. Rouge comme la colère. Que dégage Luigi actuellement? Mais Luigi, il est jamais énervé, qu'est-ce que tu racontes? Ah si, il est en colère là, tu vois pas? Mais non, mais vous pouvez cracher aux boules de feu un peu plus vite, non? Bon. Oh! Oh, un badge Pika! Bien. Moi, je préfère faire de l'électricité comme ça. Je suppose, on va espérer que oui. Regarde, t'as gagné 3 points en attaque. Je pense qu'il est temps de monter ma moustache. Oh! Bien joué, Mario. Heureusement, Luigi est là. Luigi est... Est-ce que je peux gagner des points en attaque, là? Pas beaucoup, hein. Il y a des 1 qui traînent, je vois. Donc là, il n'y a pas beaucoup de 1. Ah, seulement 2. Écoute, c'est mieux que 1. Blablabla, il est devenu tout petit. Et Luigi s'assoit dessus. Yeah, bravo! Qu'est-ce qu'il est fort, ce Luigi. Eh bien, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Spécial plan piranha. Et à bientôt pour un prochain épisode. On affrontera peut-être des Koopas, enfin, ça serait bien. Mais on en a affronté, hein. Wouah!